Yo tout le monde, c'est Yolande. Allô tout le monde, c'est Lana. Hold up. Aujourd'hui, on est grave contente de vous retrouver pour une petite vidéo parce qu'on va vous présenter nos cadeaux d'anniversaire. J'espère vraiment que ça vous plaira. Notre anniversaire, c'était le 9 août. Merci à tous de l'avoir cité sur nos réseaux sociaux. Franchement, vous êtes trop chou, ça fait trop plaisir. On a vraiment eu la masse de messages sur Instagram. Donc malheureusement, on n'a pas pu répondre à tout le monde. Je pense que vous vous en doutez bien. Mais on essaie de répondre à un maximum de personnes. Donc franchement, merci infiniment. Cœur sur vous. Alors du coup, dans cette petite vidéo, on va vous montrer tous nos petits cadeaux qu'on a eu cette année. Sachant qu'on voulait beaucoup de décorations pour notre logement en septembre. Ensuite, à la fin de la vidéo, vous allez voir trois activités qu'on a fait pour notre anniversaire qui étaient trop bien. D'abord, je tenais à dire que mes cheveux sont ultra faux. Ah ouais. Je trouvais mes cheveux mais tellement moches. Vraiment. Elles s'ennuyaient, elle les a coupées. Voilà, donc du coup, je les ai coupées. Bon, en même temps, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, mais franchement, je suis choquée. Parce que je les ai ultra bien coupées. Je suis trop fière de moi. Il faut savoir que chaque année à notre anniversaire on a de l'argent. Du coup on a acheté quelques petits trucs pour notre logement. Et donc ces jolis coussins, en fait c'est des housses de coussins qu'on a trouvé à Babou. Trop belles, moi j'en ai pris deux, là on a deux également. Alors en fait je vous explique, je les ai pris, Yolande a pris les mêmes. Parce qu'elle ne peut pas se passer de faire comme moi. J'adore ce que l'on a, elle a un coussin qui fait pitcher et tout fin. Mais ouais je sais, ils sont grave beaux, ils sont épais et tout. Non mais tu te calmes wesh. Du coup on a chacune acheté un panier. Alors c'est écrit panier à pain, on peut le voir juste ici. Mais nous comme on est très normal comme filles, nous allons l'utiliser pour les fourchettes, couteaux, spatules, enfin tous les bagages genre quoi. Ensuite aussi chacune on s'est pris un petit rangement comme ça qu'on va mettre dans la salle de bain pour mettre le micellaire, le shampoing, le gel douche, le dentifrice, etc. C'est très pratique. Et on l'a acheté dans un magasin qui s'appelle Muy Mucho. C'est un magasin espagnol qui était présent à La Rochelle. Genre je l'adore. Et il y a plein de décorations en mode chanvre, paille, bois et tout. On va rester dans le thème du magasin Muy Mucho. Je me suis acheté un plaid à 10 euros, genre 10 euros, j'ai jamais vu ça. Il est très grand, couleur un petit peu boisée, beige, qui ira hyper bien soit sur mon lit soit sur ma chaise, je verrai. Ah ouais, il pue le neuf quoi, donc du coup je vais mettre à la machine. Mais bref, tant qu'on tente. Ensuite, on a acheté ce joli petit pouf à 10 euros. On en a chacune acheté, c'est juste que le mien j'ai la flemme de le ramener là en bas. Babou encore une fois, super beau, ça va avec les coussins. J'ai encore acheté un autre truc, c'est un plaid comme ça, qui est très simple. C'est pour mettre sur la chaise dans notre studio parce que c'est une chaise en bois qui n'est pas jolie. Du coup je vais mettre ça dessus, ça fera beaucoup plus beau. Ensuite je me suis encore acheté des trucs. Une petite guirlande de couleur marron que je vais mettre sur un long bureau, vous allez voir dans le appartement tour. Qui était à 5 euros, j'étais choquée. À Babou, toujours à Babou. Un petit kit comme ça pour salle de bain, parce que ma salle de bain sera noire et grise. Du coup très bien, top, idéal. Pour finir avec l'argent, je me suis acheté comme ça un truc à épices. Parce que moi les épices c'est trop là-bas, j'en mets partout. Du cumin, du basilic, du thym, du laurier, de la cannelle, du curry, oh, j'en mets dans tous mes plats. Du coup c'était juste un indispensable, j'ai trouvé à la Farfouille pour 15 euros. Donc voilà à peu près du coup pour ce qu'on a acheté avec l'argent qu'on a eu. Du coup nos parents nous ont offert plein de décorations parce qu'ils savent très bien que c'était la seule chose entre guillemets dont on avait besoin. Donc du coup nous avons chacune eu un petit lustre. Alors moi personnellement je l'ai vu à Babou, il coûtait 20 euros. Et ça fait un petit style un petit peu industriel comme ça que j'aime trop. Moi j'ai celui-ci, il est arrondi, il est joli. J'ai trop hâte de le mettre pour voir un petit peu les effets avec la lumière que ça peut faire. Je suis trop contente. Ensuite moi ils m'ont payé, donc c'est après ce que Yolande elle vous a montré, ce qu'elle a acheté. Mais moi mes parents ils m'ont pris à peu près les mêmes en noir parce que j'allais faire une salle de bain un petit peu noire blanche. Du coup moi ils m'ont gentiment offert un petit tapis qui vient de la Serre en Belgique à 7,95 €, donc absolument pas cher, toujours dans le ton des coussins et tout, donc j'aime trop. Pour continuer, quelque chose de très utile. Yes. Alors comment on appelle ça? C'est pas des lustres. C'est des stores. Ah des stores, voilà, pour mettre sur les fenêtres. Deux couleurs différentes, noir, beige, pour que ce soit un peu plus moderne là. Et au moins là du coup ça va faire moderne dans une chambre. Les jumelles, on a tout pareil, ouais, ça, des rideaux de salle de bain, vous savez, pour mettre dans la douche, hyper pratique. Ils vont se dire c'est quoi ça. Mais en fait on a une toute petite cuisine et on n'a pas de plan de travail. Du coup ça sera pour mettre sur la gazinière, pour pouvoir faire à manger, tout ça. Très pratique. Alors moi du coup je voulais trop une bonbonnière pour mettre tout ce qui est bonbons, gâteaux, etc. Quand je les entame. Et ensuite des paniers à sus. Ça c'est tellement pratique. Pour y mettre plein de trucs, genre mes baumes à lèvres, mes paquets de mouchoirs, tout ça. Grave pratique, j'ai trop hâte de le mettre. Ça en fait on connaît tous, hein, voilà, c'est un rangement pour la salle de bain. Parce que nous en fait on a aucun rangement à la salle de bain. Et ça au-dessus nous allons mettre ce petit rangement. C'est ça. Hop. Ça fait un peu plus joli quoi. Donc écoutez, je pense qu'on vous a à peu près tout fait. Maintenant on va passer aux trois petites activités qu'on a fait. La première du coup c'était un restaurant japonais en Belgique. Alors déjà bonjour à tous les Belges. C'était à Tournai, c'était magnifique. On n'avait jamais visité cette ville. Et vraiment là-bas, comment vous dire, que c'est un souvenir que je me rappellerai de toute ma vie. Parce que pour tous ceux qui nous suivent, vous savez que ma nourriture favorite, c'est la nourriture asiatique. Alors là, il y avait du saumon, il y avait de la viande, il y avait du chou, il y avait des masses de trucs. C'était juste trop bon. En plus, le gusto, genre, il faisait à manger devant nous, il faisait des petits trucs comme ça. Non, en fait, on va dire que le concept, il est trop bien parce que moi, jamais je suis rentrée dans un resto où genre, c'était comme ça. On avait le petit kimono pour être dans le thème et tout. Enfin, franchement, c'était juste trop bien. Voici le fameux restaurant japonais. La particularité, c'est
qu'il y a une plaque de cuisson qui est au plein milieu, comme ça le cuisinier il pourra faire à manger devant nous. Je trouve ça hyper cool. On peut mettre également une petite blouse pour dire d'être dans le thème. Après, on a des petits chips aux crevettes qui nous sont amenés. Premier round, c'était des nems aux légumes. Bien entendu, je l'ai raté. Par contre, le deuxième essai, je vous laisse deviner, j'ai réussi. Deuxième round, c'était une soupe miso au poisson, juste divine. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cuisinier fait à manger devant nous. Il nous fait également un petit spectacle, donc je trouve ça hyper agréable. Et bon appétit, mes chers. Merci beaucoup. Bon, alors Lionel avait pris le plat avec de la viande, du coup là c'était de la viande juste trop trop bonne. La sauce est trop trop bonne. Voilà, entre temps, quand on passe au plat suivant, le cuisinier toujours nous fait un petit spectacle et nous fait à manger devant nous avec des produits hyper frais, grave bon. Bon, encore une fois, j'espère qu'on va se régaler. C'est tellement bon, c'est trop trop bon, mais c'est un régal et moi je suis choquée. Place au plat suivant, pour vous dire, là on n'en pouvait déjà plus, alors là c'était des nouilles, mais regardez-moi ce spectacle fabuleux. Encore une fois, Lona, c'était de la viande et moi j'avais pris le poisson. Alors regardez, du coup, en dessert, vraiment, on n'a plus faim, on est gavé, mais c'était tellement bon, trop trop bon. Donc du coup, on va se prendre un petit thé vert. Vous connaissez ma passion pour le thé, voilà, j'adore le thé. Ici, un petit gâteau, mignon. Moi, honnêtement, je suis gavée, mais c'était tellement bon, trop bonne découverte, il y a la diversité, c'était excellent. Deuxième activité, ça a été un simulateur de chute libre. Alors ça, c'est une activité dont on ne s'attendait pas du tout. C'est vraiment faire une fois dans sa vie. Ah mais grave, en fait, ce qui est trop bizarre, déjà vous allez le voir par rapport aux images, vraiment on a l'impression qu'on vole. Et quand on arrive dans le tube, ce qui est trop rigolo entre guillemets, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui nous soulève. C'est ça. Et donc du coup c'est l'air. C'est tellement bien, vraiment c'est trop trop bien. Non vraiment c'est une activité à faire une fois dans sa vie. C'était trop trop bien, on a passé un trop bon moment. C'était excellent et c'était à Lille. À Lille il y a plein d'activités. Trop d'activités. Mais vraiment on a passé un trop bon moment. Place à la deuxième activité, roulement de tambour. C'est un simulateur de chute libre. Oh my goodness, mais qu'est-ce que c'est original. Honnêtement j'avais jamais testé. C'est trop trop bien. T'as l'impression de voler. C'est juste un truc de ouf. En plus la personne qui est dans le tunnel avec vous, genre il vous aide, il vous donne des conseils. Regardez là, je volais. Oh, c'était trop bien. Donc bien entendu ça dure quelques minutes et après c'est place à la personne suivante. Donc au total on passe deux fois. La première fois comme vous le voyez à l'écran où le monsieur en fait nous apprend un petit peu à comment se tenir. Et la deuxième fois c'est là où il va nous faire monter dans le tunnel, vous allez le voir. Oh, mais la sensation, franchement ça fait pas peur du tout du tout du tout. C'est juste trop trop original, c'est vraiment à faire une fois dans sa vie. Terminée. On était vraiment vachement installés avec le casque, les lunettes, la Charlotte. Et encore on avait des bouchons dans les oreilles. Honnêtement c'était très très bien. Franchement c'est une bonne petite activité à faire. Trop cool. Ensuite pour terminer avec la dernière activité grave originale, c'était un simulateur de vol. Alors Lona elle a fait des Insta stories et vous avez été plein à dire ouais mon rêve c'est de piloter etc. Du coup ça se trouve à Lille, c'était trop trop bien. On a passé un trop bon moment, c'est comme si tu pilotes un vrai avion genre. Franchement c'était trop trop bien, on a passé un bon moment. Plus ce monsieur était trop gentil, nous expliquait trop bien. Ensuite nous allons continuer avec la troisième activité qui est un simulateur de vol. C'est pas tout à fait la même chose. Là vous êtes tout simplement dans une pièce où vous avez l'impression en fait de piloter. Tu es prêt, tu lances? Non. C'est les freins alors. Ça c'est les freins. Et là tu vas pousser d'un côté seulement, vers l'avant, assez fort. Ça c'est pour diriger l'avion au sol. On tire sur le manche, le nez de l'avion va monter. Si on pousse, il va descendre. D'accord. Alors on va rentrer notre numéro de vol. Alors moi personnellement ce que j'ai vraiment adoré dans cette activité, c'est que c'est nous qui faisons vraiment tout de A à Z. Alors ça c'est les dispositifs d'arrêt décollage. Si on a interrompu le décollage, admettons il y a un chevreuil qui traverse la piste, on va interrompre le décollage. Tu démarres Ryu? J'essaie. Et là on vient regarder loin devant. C'est juste dingue parce que t'as vraiment l'impression de piloter un vrai avion. C'est juste fou fou fou, c'est trop bien, on est hyper guidé, trop trop génial cette activité.
franchement superbe découverte, trop trop bien, super cadeau genre pour les anniversaires et tout. On a passé un trop bon. On espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu autant la première partie que la deuxième. Nous on a adoré filmer cette vidéo. C'est des vidéos que vous aimez voir sur la chaîne. Vous aimez bien voir parce qu'on a eu un autre anniversaire, parce que je pense que ça vous donne aussi des idées de cadeaux à offrir à la fête des mères, à la fête des pères, à Noël, enfin bref plein de trucs comme ça. Et surtout moi je tiens à remercier nos parents qui nous ont offert tout ça. Ça fait trop trop plaisir. Donc merci beaucoup, merci également à notre famille d'avoir été là pour notre anniversaire. Je pense que cette vidéo elle touche à sa fin. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher d'énormes likes. On vous remercie encore du fond du cœur de nous avoir fêté notre anniversaire pour nos 18 ans. On vous embrasse très très fort et on vous dit à très vite. Ciao.